travers ce que j'ai écrit, c'est-à-dire, ce sont les Juifs installés dans les pays arabes et en Occident qui travaillent pour le Mossad et donc pour Israël. Et donc, en fait, ça fait partie, et ils ont plusieurs stratégies. Il y a la stratégie de l'Holocauste, il y a la stratégie de la menace. C'est-à-dire qu'Israël dit si vous me mettez des bâtons dans les roues, je risque d'utiliser les armes nucléaires. Il y a la stratégie des renseignements. Israël est un grand spécialiste du renseignement, donc il peut donner des renseignements. Et il y a les Sayanim. Les Sayanim, ça veut dire des agents qui travaillent pour le Mossad et qui aident à l'intérieur du pays, au Maroc, en France, aux États-Unis, mais ils sont plusieurs milliers, voilà.